La reine Elisabeth a officiellement emménagé dans le château de Balmoral et a reçu un accueil chaleureux, notamment un membre espiègle à quatre pattes du Royal Regiment of Scotland. Le monarque, 95 ans, est bien connu pour son amour pour les chevaux, mais Shetland Pony Cruachan 4 cesse tromper de sabot avec sa majesté. En voyant le poney, la reine dit « Nous revoilà ». Le monarque a emménagé au château de Balmoral en Écosse, où elle résidera pour le reste de l'été. Elle a été accueillie par la cérémonie traditionnelle qui n'a pas eu lieu l'année dernière en raison des restrictions de Covid. Point. Aux portes du château, le monarque a rencontré la Balaclava Company, 5 bataillons The Royal Regiment of Scotland avec leur mascotte poney effronté, Cruachan 4. En 2018, le poney Shetland s'est soulagé devant sa majesté, la faisant se détourner de l'odeur nauséabonde. L'année précédente, le poney avait essayé de manger le bouquet de fleurs que tenait la reine. Cette année, cependant, le poney semblait bien se comporter et a traversé la cérémonie sans faire de bruit. Il s'agit des premières vacances d'été de la reine sans le prince Philippe depuis son décès tragique en avril. Elle est partie pour Balmoral le mois dernier, cependant, n'a officiellement emménagé dans le château que lundi, car elle restait probablement ailleurs sur le domaine. La monarque est arrivée à sa résidence de Balmoral le mois dernier et a officiellement fermé les portes au public la semaine dernière avec une publication Instagram sur le compte du château de Balmoral. Le château et les terrains de Balmoral sont désormais fermés au public jusqu'en avril 2022, ont-ils légendé le message. Nous tenons à remercier chacun des visiteurs du domaine tout au long de 2021 et nous espérons que vous avez tous vécu une expérience mémorable. Malgré les défis et les restrictions causées par la pandémie, nous avons été ravis d'accueillir autant de visages heureux à travers les portes de Balmoral.